Bonjour et bienvenue pour son 10e anniversaire. KTO a choisi de vous présenter une série de grands entretiens sur les enjeux de l'Église catholique pour les années à venir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monseigneur Jean-Louis Brugues. Bonjour. Bonjour Monseigneur. Alors, je suis ravie de vous accueillir, de vous recevoir sur le plateau de KTO. Comme nos téléspectateurs le voient, nous sommes à quelques pas de Saint-Pierre de Rome. Et vous êtes installé ici à Rome depuis... Un an et demi. D'accord. Je suis arrivé, j'ai commencé mon travail le 1er février 2008. D'accord. Et vous avez été nommé le 10 novembre 2007. Alors, vous exercez ici cette mission de secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique. Quel est l'intitulé exact de votre congrégation ? Comme vous l'avez dit, Congrégation pour l'éducation catholique. Elle recouvre trois grands domaines. Les universités catholiques. Nous avons une responsabilité directe. Il y en a 1200 dans le monde entier. Responsabilité vis-à-vis des séminaires, formation intellectuelle, mais aussi pour l'Europe, l'Amérique, la discipline, la bonne marche du séminaire, 2700. Et puis l'éducation catholique au sens large, et donc l'éducation catholique dans des écoles publiques et dans des écoles catholiques. D'accord. Alors faut-il le rappeler, vous êtes l'ancien évêque d'Angers. Oui, été nommé en 2000 et je suis resté presque 8 ans. Les Angevins vous aiment beaucoup. Merci. C'est réciproque. Hein. C'est réciproque, oui. Vous êtes dominicain, vous êtes théologien moraliste et vous avez une expérience universitaire. Vous avez enseigné de nombreuses années. J'ai enseigné, je faisais le calcul, 24 ans à Toulouse d'abord, à l'Institut catholique de la ville et puis à Fribourg. À l'université d'État, dans la faculté de théologie, où j'ai été très, très heureux. Et ce qui explique aussi ce savoir-faire, cette expérience universitaire qui explique votre nomination à la congrégation. Disons que ça aide un peu. Vous savez de quoi vous parlez. Et puis vous avez un accent, un petit accent sympathique. Oui. Lorsque le cardinal Lustiger m'a demandé de prêcher les conférences de carême à Notre-Dame de Paris, c'était en 1995, il m'a dit « Je ne vous donne aucun conseil, sauf celui-ci, gardez l'accent que vos parents vous ont transmis. » Donc, voyez, je suis fidèle à ce conseil. Bon. Alors, à propos de votre mission à Rome, quelle est votre mission concrète depuis cette année et demie que vous avez passée? Et puis surtout, quel est l'enjeu prioritaire dans ce travail? On me demande quelquefois « Une congrégation, c'est quoi ?» Alors, traduisons en français moderne, la congrégation, c'est un ministère. Nous pourrions dire que nous sommes le ministère de l'éducation pour l'Église universelle. Donc nous avons à étudier les évolutions dans les divers continents. Le secteur le plus important, je l'ai dit, les universités catholiques. Évidemment, les séminaires aussi, nous suivons de près les séminaires avec les mutations qu'ils connaissent aujourd'hui. Et enfin, les écoles catholiques. Et quelle est votre priorité ? L'éducation. L'éducation, évidemment, les premiers temps sont particulièrement décisifs. Mais vous savez, l'éducation aujourd'hui, c'est presque l'œuvre, le propos de toute la vie. Nous, on s'arrête vers 25 ans, c'est déjà bien. C'est fondateur. Et puis en même temps, j'imagine que votre ministère, votre dicastère, comme on dit ici, est assez sensible. L'éducation, ça touche au sens de la vie, à la formation. Oui, c'est sensible dans l'esprit du pape. Vous avez sûrement remarqué que Benoît XVI, à plusieurs reprises, est revenu sur ce sujet. Lui-même est un pédagogue, donc tout ce qui concerne l'enseignement le touche particulièrement. Notre congrégation, en effet, est particulièrement sollicitée. Je dois dire, mais ça c'est une confidence personnelle, que c'est un travail passionnant. Je suis... très heureux de travailler là. Alors, comme vous le savez, on célèbre cette année le cinquantenaire des lois Debré qui ont instauré un système de contrat entre l'État et les écoles privées qu'ils souhaitent. Quel est le chemin que l'école catholique a parcouru depuis 50 ans ? L'école catholique, premier élément qui me paraît important, a pu se trouver au même niveau que l'enseignement public. Ce qui veut dire que la liberté de choix des parents se trouve aujourd'hui garantie.
Deuxième avantage, l'école catholique qui était appelée école confessionnelle ne concernait que ceux qui voulaient à tout prix une éducation catholique et ceux qui avaient les moyens de faire entrer leurs enfants dans une école où on demandait évidemment, il fallait bien qu'elles vivent, on demandait des frais d'inscription assez élevés. Je dirais que l'école catholique aujourd'hui s'est ouverte au plus grand nombre. Elle s'est démocratisée, autant d'éléments positifs de l'évolution de ces dernières années. Donc pour vous, c'est positif? C'est positif, mais il y a des questions aussi. Il y a des questions et on va en parler. Bien sûr. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la présence des congrégations religieuses qui ont fondé et encadré ces établissements catholiques au XIXe siècle? Le XIXe siècle, j'ai découvert ça récemment, a été un siècle de floraison pour la création des écoles, non seulement en France, mais je vois en Espagne, en Italie, en Amérique latine. J'arrive d'un voyage au Chili. Le nombre d'écoles créées par les congrégations religieuses, surtout féminines, est absolument impressionnant. On pourrait dire que dans certains pays, s'il n'y avait pas eu ces congrégations religieuses, il n'y aurait pas eu d'école du tout. En France. Alors en France, une école catholique aujourd'hui relève d'une tutelle, donc celui qui exerce la responsabilité morale, ou bien l'évêque, ou bien la congrégation religieuse. Les congrégations religieuses sont en train de se dégager de l'enseignement pour plusieurs raisons. On pourrait dire que la tutelle diocésaine représente un pourcentage considérable. Est-ce que vous êtes de ceux qui regrettent cet effondrement de la présence des congrégations religieuses qui, quand même, avaient une pédagogie explicitement chrétienne? Mais comment ne pas le regretter? Je suis religieux moi-même. J'ai été élevé en partie... Enfin, je suis un fils de l'école publique et de l'école privée. J'ai été dans des collèges tenus par les frères de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Il y avait... un tel dévouement, un tel esprit que je regrette aujourd'hui. Enfin, les nouvelles générations n'ont pas connu cela et je crois que c'est un manque pour elles. Néanmoins, l'enseignement catholique en France attire de plus en plus de parents. Les effectifs augmentent, les listes d'attente s'allongent. Comment vous expliquez ce phénomène? Il faut demander, aux sociologues, mais... dans le monde entier, les écoles catholiques sont réputées excellentes. D'un point de vue résultat? Du point de vue de la compétence, du point de vue du dévouement et du point de vue de l'accompagnement personnel. Oui, l'encadrement. Des résultats ici aussi, évidemment, au concours, aux examens. Ça me touche beaucoup. Enfin, quand je vais dans les pays, on me dit, ah, vous savez, est-ce que vous pourriez nous donner, nous, enseignement public, des conseils? Donc, il y a une qualité qui est reconnue à peu près universellement. À tel point que des pays uniquement musulmans demandent que des écoles catholiques s'installent chez eux. En France, la qualité est aussi excellente et donc je crois que la qualité attire. Disons que le côté pédagogie personnelle, accompagnement, compte beaucoup dans le choix des familles aussi. Et puis, il y a des familles chez qui la motivation proprement religieuse est importante. Oui, les attentes sont variées, finalement. Très variées. Est-ce que vous pouvez peut-être déployer un petit peu ce panel des attentes? Je ne vais pas vous parler des attentes parce qu'elles sont trop variées, mais je voudrais vous dire ceci. Quelle est aujourd'hui la question première qui se pose? Oui. C'est celle de l'identité. Ou de la spécificité. Ouais. Qu'est-ce qu'une école catholique? Voilà, quel est le caractère propre d'une école catholique? Oui, et j'aurais envie d'ajouter, l'avenir de l'école catholique, c'est d'être catholique. Si elle n'est pas catholique, elle n'a pas de raison. Elle n'a aucune raison de subsister. Alors, on peut me demander, mais être catholique, c'est quoi? On m'a posé la question à plusieurs reprises. Je dirais, il y a deux sens qui sont complémentaires. Être catholique, c'est être ouvert à l'universel. Donc, nos écoles se sont ouvertes depuis le 19e siècle à l'universel du savoir. Et là, on retrouve l'excellence que je venais d'évoquer. Mais depuis, en France en tout cas, lorsqu'il y a des subventions publiques, elles peuvent s'ouvrir à un plus grand nombre d'enfants et d'adolescents.
Qu'une école puisse s'ouvrir, qu'une école catholique puisse s'ouvrir au tout venant, c'est une chance pour l'Église, c'est une chance pour la société. Le risque, c'est que l'école, ouverte à tous, cherche un dénominateur commun le plus faible possible. Je dirais, c'est le risque du caravansérail. Et puis de la dilution, finalement, de l'identité catholique. C'est ouvert à tout le monde et on ne sait plus très bien quel est le point central, la spécificité. Puis vous avez un deuxième sens qui est complémentaire. Être catholique, c'est confesser une foi particulière, une foi religieuse particulière, qui est la foi catholique. Donc il faut que l'école aussi soit un lieu où l'on puisse apprendre à confesser la foi catholique. Respectons la liberté de conscience. Lorsqu'une famille inscrit l'enfant ou l'adolescent dans une école catholique, une proposition est faite. Très importante, est-ce que vous souhaitez qu'une catéchisation, qu'une préparation, qu'une éducation de la foi soit faite ? C'est facultatif, c'est optionnel. D'où la question qui se pose aujourd'hui, lorsque des familles de plus en plus nombreuses mettent les enfants pour des motivations non religieuses, que devient l'école catholique ? Et on revient à la question que vous posez. J'indique un... Alors vous avez cité tout à l'heure Angers, puisque j'ai été évêque d'Angers, on a fait là-bas une expérience que je trouve passionnante. Les directeurs d'établissement, 360, venaient me trouver en disant « Écoutez, quand un enfant s'inscrit, on lui propose la catéchèse, mais s'il n'en veut pas, il n'y a rien d'autre qui marque la spécificité. » Donc on a eu l'idée de mettre sur pied un programme très intelligemment fait, avec les supports les plus modernes, de culture chrétienne. Je ne dis pas de culture religieuse, mais de culture chrétienne. Un savoir, donc. Oui, c'est-à-dire... vivre avec. Non, une église, c'est quoi ? La musique religieuse, c'est quoi ? Les compositeurs chrétiens, c'est qui ? Etc. Et donc, lorsque une famille inscrivait l'enfant, elle savait que cet enseignement de culture chrétienne serait obligatoire pour tous, absolument pour tous. Et puis évidemment, en plus, c'était pas le ou, mais et, en plus, les familles pouvaient choisir une catéchèse qui devait se faire nécessairement à l'intérieur de l'école, en liaison avec la paroisse, mais à l'intérieur de l'école. Eh bien, nos écoles catholiques ont évolué de manière magnifique avec cette formation de culture chrétienne, car il y avait des enfants qui n'étaient pas chrétiens, il y avait même des musulmans, au moins ils savaient qu'ils entraient dans une école chrétienne où on leur montrait de la manière la plus bienveillante ce que pouvait être l'art de vivre le christianisme. Alors vous parliez tout à l'heure de familles musulmanes. C'est vrai que c'est des familles à Marseille notamment, en Ile-de-France et dans le nord de la France, pour le choix. À Lille par exemple, nous pouvons avoir des écoles catholiques avec un nombre très important, de l'ordre de 80%. Encore une fois, c'est une chance. Mais pourquoi elles font ce choix-là, ces familles ? Pour la qualité. Pour la qualité. De l'enseignement. Pour la qualité de l'enseignement et, si j'en crois le témoignage de certaines familles, au moins on leur parlera de Dieu. Et ces familles me disaient préférer une école où l'on parle de Dieu, même si ce n'était pas évidemment selon les voies de la religion qu'ils confessaient. Ils étaient contents qu'on puisse leur parler de Dieu. C'est une chance à saisir. Mais ça reste néanmoins difficile de garder le cap sur la spécificité catholique dans une école catholique à 80%. Écoutez, c'est difficile, je vous l'accorde volontiers. Mais il me semble qu'aujourd'hui, les écoles catholiques savent qu'elles sont arrivées à la croisée des chemins. Arrive une nouvelle génération, probablement moins bien formée, mais désireuse de souligner la spécificité. Les enseignants qui sont arrivés vers les années 68-70 arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite. Par conséquent, si j'avais un conseil à donner aux évêques, soyez attentifs à la qualité du recrutement, parce que nous en prenons pour 30 ans de plus, et c'est là que se joue le devenir de l'école catholique.
Qu'est-ce que vous répondez au courant minoritaire, certes, mais quand même actif en France, qui entend renforcer l'identité religieuse des établissements et qui accuse l'enseignement catholique de perdre son caractère propre avec ce risque de repli communautaire? Qu'est-ce Alors, que vous leur répondez? Tout à l'heure, je disais, il y a le risque du caravansérail, c'est-à-dire l'école ouverte au tout venant, et ne sachant plus très bien quel était son point public central. Indifférencié, oui. Il y a un autre risque qui se situe à l'inverse, c'est l'école ghetto, c'est-à-dire l'école faite uniquement pour ceux qui confessent la même religion et qui présentent même des sensibilités identiques d'un point de vue social. Alors, mais encore, c'est légitime. C'est légitime à la condition, encore une fois, que l'on n'oublie pas la dimension universelle, ouverte à l'universel de l'appellation catholique. J'ajouterai que nos sociétés aujourd'hui sont caractérisées par le pluralisme culturel, religieux. Je crois qu'il est bon que les enfants soient confrontés le plus vite possible à ce pluralisme afin de s'y sentir à l'aise. Si nous avons des écoles uniquement confessionnelles, que j'appelle des écoles ghetto, la découverte du pluralisme peut être redoutable par la suite. Cela dit, que ces écoles veuillent mettre l'accent sur la spécificité catholique, bravo. Alors, à ce propos, le Comité national de l'enseignement catholique en France vient d'éditer un texte de référence pour l'annonce de l'Évangile dans les établissements catholiques d'enseignement. C'est un projet qui a été piloté par votre confrère, Mgr Éric Aumônier, qui est évêque de Versailles et responsable de la commission scolaire de l'Épiscopat. Il n'y a pas eu de texte comme ça depuis 20 ans. Pourquoi ? Probablement parce que nous avions une période relativement homogène. Les écoles évoluaient à peu près de la même manière. Comme je le disais tout à l'heure, elles sont aujourd'hui à la croisée du chemin. Ben, réfléchissons un peu, faisons une pause. Ça fait, si j'ai bonne mémoire, 3 ans, sinon 4, que l'épiscopat français réfléchit à l'enseignement catholique. Il a pu réaliser une première étape avec ce texte. Moi, je m'en réjouis fortement. Ça montre au moins que les enjeux deviennent clairs pour les uns et pour les autres. Oui, on a besoin de clarté. Finalement, les parents ont besoin de clarté, les établissements ont besoin de clarté. Nous avons ici, à deux pas de cette terrasse, organisé l'année dernière un colloque international sur le thème pluralisme culturel, pluralisme religieux, que devient l'école catholique. Et on s'est aperçu que dans le monde entier, la question qui devenait première à cause de cette variété, de cette diversité, était celle de l'identité. La prise de conscience se fait en France par un texte comme celui que vous venez d'évoquer, mais elle est générale aujourd'hui. Alors, dans ce texte, il est question d'une pastorale de la proposition pour répondre à des demandes hétérogènes. Pastorale de la proposition, qu'est-ce que ça signifie ? La foi se propose ? La foi se propose, elle ne s'impose pas, c'est bien clair. C'est une chance pour l'Église d'avoir des écoles catholiques. Alors, c'est un message que j'ai répété très souvent lorsque j'étais à Angers. Je faisais le tour des paroisses et on me disait, vous savez, on ne voit plus de jeunes dans nos églises, ils ne viennent plus à la messe. Et les prêtres, les laïcs s'en désolaient, ce que je comprenais tout à fait, mais notre église avait la chance à Angers d'avoir 41% de la population des jeunes. Je dis, ne dites pas que vous n'êtes pas en contact avec des jeunes. Nous avons ces jeunes-là. Et lorsque je visitais les écoles, je disais aux anciens, écoutez, je viens pour vous dire, continuez. Ne vous désespérez pas. Vous êtes en première ligne. Ce que vous faites est très important et pour la société et pour le message de l'église. Nos enseignants ont besoin aujourd'hui d'être confortés. Alors, un texte comme celui-ci le montre bien, mais il y en a d'autres, en particulier celui que nous devons publier, enfin, c'est le recueil des actes que nous devons publier dans les semaines qui suivent, soyons optimistes. Sur lequel les épiscopats du monde entier pourront s'appuyer. L'école catholique dans le pluralisme culturel. Il y a un enjeu là. Quelles sont pour vous les conditions nécessaires à réunir dans un établissement pour favoriser cette annonce de l'Évangile ? Il faut que tout le monde s'y mette. Il n'y a pas que le chef d'établissement. Je dirais être chrétien sans complexe. Sans complexe. Sans complexe.
C'est lors du témoignage. J'ai connu une époque où on devait presque se faire pardonner le fait d'être chrétien. Aujourd'hui, nous aspirons à avoir un christianisme joyeux, un christianisme heureux d'être ce qu'il est, un christianisme désireux de collaborer avec la société, d'apporter sa propre pierre à la construction de la cité, disons un christianisme décomplexé. Il me semble que les jeunes générations entendent bien le message. Moi, je suis confiant. Ils l'entendent parce qu'ils le voient vivre, en fait. C'est ça qui les marque, c'est ce témoignage. Puis aujourd'hui, pour se dire chrétien, il faut être courageux parce que l'ambiance générale, les idées dominantes, la mode ne favorise pas l'expression chrétienne. Donc, pour être chrétien, il faut déjà s'être battu, peut-être battu en famille, à l'école ou dans la société. Ils arrivent là en se disant, mais écoutez, on est tellement content d'avoir découvert ce message qu'il n'est pas possible de ne pas le faire partager. Ben, l'école est un lieu de partage. J'aimerais, pour terminer cette émission, que nous parlions de l'enseignement du fait religieux qui a été remis à l'honneur depuis le rapport Régis Debray, commandité par l'Éducation nationale, donc en 2002. Vous avez produit un texte en mai 2009 faisant un petit peu la clarté sur la nature et le rôle de l'enseignement religieux dans l'école. Alors, fait religieux et catéchèse, quelle complémentarité ou quelle différence ? Voilà. Que les sociétés, disons, laïques ou sécularisées, que les États laïques redécouvrent l'importance sociale du fait religieux me ravit complètement. En tant que culture. En tant que culture. Nous avons une culture, nous bénéficions d'un patrimoine, le fait religieux occupe une place centrale dans cette culture. Bien, réjouissons-nous que les jeunes puissent apprendre à lire leur patrimoine et leur culture. Ne sois pas aveugle dans une église devant un vitrail. Oui, ou ne comprennent pas. Entrer dans un musée, visiter une église, lire Pascal, ça doit être possible lorsqu'on est français, puisque ça fait partie de notre patrimoine. Je trouve très positif la prise de conscience de l'importance culturelle et sociale du fait religieux. Et comment ça se tisse avec la catéchèse dans l'enseignement catholique ? Le fait religieux doit être enseigné partout. Dans les écoles catholiques, oui aussi dans les écoles catholiques. Pourquoi ? Parce que nous avons assisté, et ça c'est un phénomène négatif, à l'effondrement de la culture chrétienne. Partout, non seulement dans la société sécularisée, mais même chez les chrétiens. Donc les enfants qui arrivent chez nous, dans nos écoles, ne connaissent pas cette culture-là. Qu'ils aient une initiation à la culture chrétienne me semble absolument nécessaire. La catéchèse, c'est autre chose. La catéchèse, c'est la découverte d'une personne, la personne du Christ, portée par une expérience, l'expérience d'une communauté chrétienne, paroissiale ou autre, peu importe, ou familiale. Lors de la relation, exactement. La catéchèse, oui. Dans un cas, on apprend un fait, dans l'autre, on découvre une personne, et vous avez là, je crois, toute la différence. Mais c'est complémentaire. C'est complémentaire parce que la culture porte une expérience. Je voudrais avec vous conclure sur les tensions qui peuvent exister entre certaines universités, écoles catholiques dans ce contexte français, laïque, sécularisé, les tensions, la ligne de partage, voire de fracture entre un courant que vous appelez de composition avec la société et le courant alternatif plus récent qui met l'accent sur l'affirmation de la foi. Alors comment ça se gère dans votre ministère ? Vous voulez dire à la congrégation ? Oui. La congrégation, elle est pontificale, si vous me permettez l'expression, donc elle doit établir des ponts. Je tiens beaucoup à cette mission d'unification. Alors en effet, aujourd'hui, si nous regardons les universités catholiques dans le monde entier, les écoles catholiques, nous nous apercevons que on pourrait dégager, en durcissant un peu, parce que ça peut être beaucoup plus nuancé dans une situation ou dans l'autre, deux courants. Un courant qui va mettre l'accent sur la compétence professionnelle et l'adaptation à la société, ce que j'ai appelé
un courant de coopération qu'il faut encourager. Oui. Ce courant qui, en termes, disons, numériques, est le plus nombreux aujourd'hui, en arrive à se poser la question, mais en quoi suis-je catholique ? Et voilà qu'apparaît un nouveau courant qui va mettre l'accent, bien sûr, sur la compétence professionnelle, mais aussi sur la confession, ce que j'ai appelé un courant de confession de la foi, avec de nouvelles écoles, de nouvelles universités. Et pour vous, le mot d'ordre, parce qu'il nous reste 15 secondes, c'est quoi ? C'est unifié. Eh bien, encourager les uns sans décourager les autres, établir le plus de ponts possible entre ces courants. Telle est votre mission. Merci pour cette mission. Merci, Mgr Brugès, d'avoir accepté notre Merci invitation. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup aux équipes de Catéo d'avoir, aux équipes techniques de Catéo d'avoir réalisé cette prouesse, d'avoir installé ce beau plateau à quelques pas de la basilique Saint-Pierre de Rome. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée à tous.